C'est un conte de fées, non, qui t'arrive en ce moment? Oui, c'est un conte de fées. Pas un peu, c'est ouais. Complètement un conte de fées, ouais. Ouais. Tu peux nous raconter un peu comment c'est arrivé, ton parcours et... Bah, écoute-moi, après 25 ans de piano bar sur la Côte d'Azur, j'ai rencontré Dany Larry, qui est un magicien, tu vois, et qui a fait un spectacle qui s'appelle Le Château des Secrets, et il a monté une comédie magicale. Donc on a composé des titres, et je suis partie 2 ans et demi en tournée avec lui. Voilà, suite à ça, j'avais jamais fait de télé, donc il m'a proposé de faire le plus grand cabaret du monde avec lui. Et à la 4e télé, c'est Patrick Sébastien qui me propose de faire Les Années Bonheur toute seule. Donc, je dis oui. Je dis oui, c'était l'événement, une télévision toute seule. Et puis, donc je fais J'ai besoin de parler, une reprise de Ginette Reno. Et suite à ça, ben Patrick m'appelle 48 heures après, même pas 24 heures après la télévision. Il m'appelle pour me dire, je suis chez Universal, Polydor. Je te fais écouter et eux craquent et je te propose de te produire. Parce que musicalement, Patrick Sébastien, c'est pas ce qui est le plus reconnu, on va dire. Ah, musicalement, non, ben, non, bien sûr. Mais bon, il a quand même. Ce que je pense qu'à Patrick, c'est qu'il fonctionne au coup de cœur, tu vois. Et tu sais, je lui ai dit un jour. Bon, les gens qui le connaissent pas, peuvent peut-être pas ils peuvent pas le ressentir parce qu'il a une certaine personnalité, tu vois. Mais c'est quelqu'un qui aime vraiment les artistes, tu vois. Et pour moi, si tu veux, le fait qui me propulse à faire mon album aujourd'hui, à avoir fait, parce que maintenant il est fait, à avoir fait mon album, c'est pour moi quelqu'un de généreux, tu vois. Après, j'ai ma musique, moi je suis une chanteuse de variété, j'ai pas honte d'être une chanteuse de variété, je suis ce que je suis et mon album me correspond, tu vois. Après, si les gens ils ont envie de me mettre l'étiquette de Patrick Sébastien, tourner les serviettes, bon, c'est pas mon style du tout, mais voilà, moi j'assume l'image de Patrick parce que je le connais personnellement, donc je peux parler de lui. Quand même, t'es rentré directement dans le top 50 et tout. Oui. Est-ce que tu t'attendais rentré, voilà, même après cette étape-là, est-ce que tu t'attendais à ce que de 10? Ben non, non. En fait, moi, je vis toute cette aventure. Si tu veux, je la vis au jour le jour. Là, hier, ma maison de disques m'a appelé pour me dire, tu es monté 21e au top album. Donc bon, ben moi, j'écris, je crie, champagne. Tu vois, je vis le truc. C'était improbable, si tu veux, que ça m'arrive. Voilà, pour moi, c'était improbable. Donc, j'étais pas prête, si tu veux, à recevoir un succès, quel qu'il soit, quoi. Donc, je prends tout ce qu'il y a à prendre, quoi. Voilà, je prends, tranquille. On a vendu plein de disques, bah, c'est génial. Pas du tout. Pas du tout. Tu peux me mettre des capteurs. Non, j'ai pas menti. Enfin, pas encore. Je sais pas si c'est fini, mais pas encore.